Bonjour, ici c'est Tony. Bonjour, ici c'est Diana. Comment ça va? Ça va? Aujourd'hui, belle journée. Demain aussi, je pense que ça s'annonce Ouais, je pense que ouais. un truc sympa. Donc, demain, on va aller Paul 85. Donc, sur un circuit à Fontenay-le-Comte. Pour des baptêmes de voiture. Voilà, le baptême de voiture. Et puis, des expositions, du paddock, tout ça. Donc, on va faire un petit tour, rencontrer des gens, comme d'habitude. Et puis, il y en a à faire son baptême de piste. Voilà, en premier. Et en plus, c'est pour une belle cause. Association voiture de rêve, rêve Rêve d'enfant. d'enfant. Donc on vous dit à tout à l'heure et à demain. Bisous. Bisous. Thank you.
Coucou Nana. Attends, je me recoiffe. Donc alors, explique-nous un petit peu sur ce beau circuit de Fontenay-le-Comte après ton premier passage. Bah ça se court, j'avoue, ça se court, ça se court, ouais. Donc le propriétaire de la Porsche, c'est son premier, sa première fois en circuit. Et il est propriétaire de la Porsche depuis à peine un an. Et d'habitude il roule en moto. Et il allait vite, il m'a expliqué, il m'a dit si t'as un truc à te dire, tu veux que je ralentisse, tu le dis fort, ou bah, si tu veux accélérer, bah, je peux rien faire pour toi. On a été super vite, on a fait des dérapages, on entendait tout, ça grinçait et tout. Donc c'était classe, c'était bien, franchement. Et donc là, on va refaire un deuxième tour après. Ouais, c'est ça. Donc là, on fait une petite pause et puis on vous dit ça après. C'est ça. À tout à l'heure. Non, voilà, une petite détente, voilà, on fait une petite pause, on va revenir Nana, parce que tu vas faire un deuxième baptême. Exact. Alors, il y a tout, je vous ai fait un petit brief, bien sûr, à l'occasion de cette Ferrari, Lamborghini, on en passe, il y a tout. Moi j'ai deux vidéos, bon. Donc je te les enverrai, tu mettrais la vidéo. Pas de soucis, et puis on vous dit à tout à l'heure. Voilà, alors Yana vient de ressortir de sa deuxième course. J'ai vu toute décoiffée. Bah alors raconte-nous là. Alors donc j'étais dans une GTR, une Nissan GTR. Voilà. La voiture appartient au patron de celui qui conduisait qui travaille dans le garage automobile Clara Automobile. Clara Pick up à toi Clara. Il y a toutes les Clara d'ailleurs, voilà.
Ah mais je suis vraiment décoiffée. Et alors ça se coule de ouf. Ah ça se coule. T'as même pas filmé. Ah, j'ai pas le temps. T'as manqué. J'ai pas le temps. Là, là-bas il y a une ligne droite. En fait, je pense que c'est la ligne droite. Tu peux doubler, mais c'est vraiment là où tu vas super vite. Il était à 220-230 km/h quand il allait pas vite. Ah. Le premier tour, c'était voilà. Sinon il pouvait aller plus vite et voilà. Bon bah cool. Bah écoute. Il fait chaud. Hein. Par contre ça clim, mais était tout devant moi du coup. Enfin, j'avais pas de chaud. Est-ce que c'était des bras un petit coup? Allez go. Allez c'est parti. Allez go. Qu'est-ce qu'on voit? Mec, un camping-car des États-Unis. C'est un truc de ouf. Le truc il est ouf. Viens voir. Ouf. C'est ouf. Bon, bon, ça voilà, c'est une vraie maison. C'est un bail descriptif, on va voir. 1987. 57 000 à vendre. Moteur V8. C'est un big block essence à l'état de 10m50, 7 tonnes 4. Pas les polos, 8 places, 6 lits. Eh, tout à fait bien, mon frère. Toute la famille rentre. Ah, tu m'étonnes. 8 places, 6 lits. On peut traverser tout le monde entier avec ça. Il est ouf. J'adore. T'en penses quoi, Nana? Je sais pas si on voit. Voilà. Franchement ouais c'est bien, moi j'aime bien. C'est ouf. Je trouve que ça fait un peu c'est pas sorcier. Tu crois? Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses déjà de la voiture? Elle est super jolie. Le petit extérieur est joli. L'intérieur, c'est en cuir. Simplement. Avec sur les sièges des bandes blanches qui rappellent les bandes de la carrosserie. Qui rappellent les bandes de la carrosserie. De la carrosserie, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Magnifique, hein? Elle est super magnifique. Tu en croyais qu'elle avait éclaté un schtroumpf? C'est couleur schtroumpf, non? Oui, oui. Non, mais non, franchement. Et regarde, qu'est-ce que c'est marqué là? Shelby. Voilà, meilleur préparateur américain. Exactement. Concernant les fonds de Mustang d'ailleurs. Et sur les côtés, derrière les roues de devant, un serpent. Voilà. On a rencontré le propriétaire de la Ford Mustang. Donc il s'est fait plaisir, il est cherché pour ses 50 ans l'année de naissance de sa voiture. Du coup il n'a pas trouvé, c'était trop cher, il n'a pas trouvé les critères. Et là il nous a fait l'honneur de faire un petit shooting photo pour Nana. Voilà. Donc c'était très bien sympa. Et en plus 993 exemplaires messieurs dames au monde. Je dis bien 993 exemplaires au monde. Donc c'est un bleu particulier. Voilà, c'est un bleu parfait. Voilà. Cabriolet de. C'est les premières en fait, les premières générations. De la génération qui sont arrivées. Et donc vraiment bien. Je vous dis à tout à l'heure. Quelle que t'as pris toi pour faire ton baptême? C'est pas celle-là, aucune. Donc là on a trois belles brochettes de Porsche. Une Porsche GT3 RS. Voilà, donc ça marche très très fort naturellement. Voilà. Il y a trois exemplaires, c'est trois exemplaires des différents couleurs différentes, jantes différentes de couleurs, enfin trois modèles vraiment exceptionnels. Et on voit bien même les ailerons sont différents. Donc celle-là, voilà, mais elle est préparée, regarde, elle a une petite, petite préparation de piste derrière, on va aller voir les arceaux. Regarde, elle a le volant avec un trait jaune. Voilà, ça c'est pour le repère. Qu'est-ce que ça pose la couleur, Nana? Franchement, elle déchire. Elle déchire sa mère. Celle-là, je crois que c'est une des plus belles Porsche qu'il y a sur le plateau. Franchement, enfin, de nous, trois vies à nous. Voilà, c'est ça. Hein? La couleur et tout est magnifique. Pourquoi t'as l'air un peu sale? Bah, elle vient de finir son tour de piste. Ouais. Mais pour moi, voilà, c'est une des plus belles. On sent la chaleur, t'as senti la chaleur? Ouais, ouais, c'est des freins. Pour moi, c'est une des plus belles, celle-là. Voilà. Regardez ça, cette belle brochette. Franchement, c'est voilà, le trio vraiment de Porsche qui sont vraiment les plus belles.
honnêtement. Ça marche très 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 fort. Les roues, il est immense. T'as vu Swan, les roues pas carrosserie là. L'aileron, il est peint carrosserie. Oui. Les détails définition sont vraiment très très bons. Allez, Lala, viens voir. Donc là, c'est la voiture préférée à Yala. Lala, ça c'était préféré. C'est la mienne avec les. Voilà, donc là c'est la McLaren, les petits, pas papillons. Les papillons, voilà. Voilà. Ok, voilà, j'aime beaucoup. Même la couleur, c'est ta préférée, celle-là. Alors là, je vais faire une petite dédicace à là, et on va faire une petite dédicace à maman. Dédicace à maman qui n'est pas venue d'ailleurs, on rappelle. Voilà. Voilà. Avec sa petite Mercedes, c'est sa couleur préférée ça. Oui, bah, t'as qu'à venir pour voir en vrai. Voilà. Donc là, une magnifique Mercos. Gamme normale. Dites-moi le prix de la Mercos. Voilà. Pas de mobile comme il a dit. Le propriétaire. Non, le propriétaire. Je sais pas.
Celle-là, il y en a, comme barquette, est spéciale parce qu'elle est 100% électrique. C'est ouf, hein. Bon, coucou, ça y est, c'est fini, on est parti. Très belle journée, très grosse journée. Yana, t'en penses quoi? Je suis fatiguée. Ah, t'es fatiguée. Bon, premier baptême, enfin deux baptêmes. Le premier en Porsche Carrera 4S. Voilà, ça a été déjà très vite. Mmh. Hein ouais, et du coup, on a loupé la Lamborghini parce que voilà, on a laissé passer un enfant qui voulait absolument aller dans la Lamborghini, donc j'ai laissé la place. Donc du coup, Nana s'est retrouvée devant une Nissan GTR. Voilà. 32. Voilà. Bon. Si vous pouvez dire tous les chiffres si tu veux. C'est bien la Nissan GTR 32. Où là, le premier tour, raconte-nous ton premier tour. C'était bien, il m'a dit. Enfin, du coup, mais on a déjà fait ça. Ah oui. On a déjà fait, papa. Mais non, c'était pas ça. Donc, c'était pour vous dire, en fait, on est parti. Voilà, on a passé une bonne journée. On vous dit à bientôt, les loulous. Et puis. Non, c'était aussi pour l'association voiture de rêve, rêve d'enfant. Non, c'est rêve d'enfant, non, voiture, oui, non. Voiture de rêve, rêve d'enfant, voilà, une association du 85, département 85. Donc voilà, c'était bien et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous. Bye bye, bisous.